y a 7 projets qui, dans le montant, totalisent 2 150 000 dollars américains, soit environ 172 millions de goudes. Ces projets-là portent sur, tout d'abord, une initiative qui est lancée par le directeur général de la FAO. Et Haïti est un des pays prioritaires dans la mise en œuvre de ce projet. C'est l'initiative main dans la main pour le développement. Le second projet, qui est un appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité, de souveraineté, en ce qui a trait à la sécurité alimentaire et à la nutrition. C'est un projet, vous savez, au ministère, nous avons la coordination nationale de la sécurité alimentaire qui, avec nous, fournit les informations sur l'état de la sécurité alimentaire dans le pays. Donc, c'est un projet qui vient en assistance technique, principalement à la coordination de la sécurité alimentaire. Le deuxième projet, qui vraiment nous tient à cœur au ministère depuis quelques années, c'est un appui à la lutte contre le Phytophthora holococcien. C'est un agent pathogène qui cause le mildiou du Tao, qu'on appelle également Mason Bell. Depuis quelques temps au pays, les gens se plaignent, il n'y a pas beaucoup de Mason Bell et dans la diète alimentaire. Donc, cette année, avec la FAO, nous avons obtenu une coordination technique qui va nous aider à lutter contre cet agent pathogène et produire des semences saines et dans le pays. Le quatrième projet va poursuivre l'initiative qu'on avait déjà avec l'IICA, c'est l'agriculture périurbaine et urbaine, et qui va nous aider, pas seulement l'agriculture, mais les affaires sociales et d'autres ministères et d'administration, à lutter ou bien à générer des revenus dans la couche et appauvrie des jeunes et des ménages au chômage. Et le dernier projet qui est récemment approuvé par le siège de la FAO à Rome concerne principalement le Nord-Ouest. C'est une assistance à la protection et à la restauration des moyens d'existence des ménages en situation d'urgence. C'est un terme bien utilisé et en termes de sécurité alimentaire. Vous voyez? Donc, ce qui va se donner dans le Nord-Ouest. Ce sont des passions techniques, pas vraiment des projets. La FAO va nous aider, et ses techniciens, à nous préparer mieux de façon à pouvoir après lancer des activités beaucoup plus intenses et intensives dans le cadre de ces projets-là. Selon l'analyse de classification intégrée de la sécurité alimentaire IPC, réalisée par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, près de 4,1 millions de personnes, soit 40% de la population totale, sont actuellement en insécurité alimentaire. La crise humanitaire qui connaît Haïti est complexe. Les chocs climatiques, les événements météorologiques extrêmes, les troubles sociopolitiques et les faiblesses structurelles, ainsi que la dégradation de l'environnement, contribuent à la détérioration des moyens de subsistance des plus vulnérables. La problématique de la faim et de l'insécurité alimentaire constitue un défi majeur que les gouvernements et les acteurs de développement doivent affronter. Malgré l'ampleur des défis, plusieurs louables initiatives ont été prises par le gouvernement haïtien dans la perspective de contrer les flux de la pauvreté et la faim en Haïti. Mesdames, Messieurs, la FAO développe avec le gouvernement haïtien une coopération technique définie à travers le cadre de programmation pays, lequel s'aligne sur les priorités de l'État haïtien, dont les racines se retrouvent dans la vision du président de la République. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement durable du secteur agricole, elle apporte son soutien technique dans les 4 domaines prioritaires suivants. 1. Appui institutionnel, visant à l'amélioration de la gouvernance et de la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des statistiques agricoles et des systèmes d'information. 2.
appuie au développement des filières sélectionnées par le ministère à travers le renforcement de la capacité opérationnelle des acteurs publics et privés en vue de l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des produits agricoles, de l'élevage et de la pêche. 3. Contribution à la conservation et la gestion des ressources naturelles à travers le renforcement des systèmes de gestion et d'exploitation durable des ressources naturelles et l'aménagement intégré et participatif des bassins versants, eau, sol et forêt. Finalement, 4. Renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et aux crises alimentaires, par la réduction de l'impact des catastrophes naturelles sur la vie et les moyens d'existence des ménages et des communautés rurales vulnérables. C'est dans ce contexte, en appui au gouvernement, que la FAO, avec ses fonds propres, a financé 5 projets pour un montant de 2 150 000 dollars américains. Ces projets contribueront à la mise en œuvre des initiatives de développement intégré, l'opérationnalisation de la politique et stratégie nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutrition en Haïti, la lutte contre les phytophthora colocas, agent causal de mildiou de taro, par la production de semences saines en Haïti, et l'agriculture urbaine et périurbaine pour la génération et la diversification des revenus des jeunes et des femmes au chômage. Finalement, l'assistance d'urgence à la protection et la restauration des moyens d'assistance des populations vulnérables en phase d'urgence du département du Nord-Ouest. L'agriculture urbaine et périurbaine pour la génération et la diversification des revenus des jeunes et des femmes au niveau du chômage. L'assistance d'urgence à la protection et la restauration des moyens d'existence des populations vulnérables en phase d'urgence du département du Nord-Ouest. La signature de ce projet souligne, une fois de plus, toute l'importance de la coopération entre Haïti et la FAO, qui entretiennent depuis des dizaines d'années un partenariat qui a permis de réaliser plusieurs chantiers au profit du secteur agricole haïtien. Ils sont en cohérence avec les grandes lignes d'action du ministère de l'Agriculture. J'aimerais à cet égard remercier au nom du MAN et en mon nom personnel la FAO, représentée ici par M. José Luis Fernandez, pour son soutien aux initiatives visant à la dynamisation du secteur agricole. Monsieur le représentant de la FAO, je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du ministère de l'Agriculture à apporter sa contribution à la mise en œuvre et au suivi des 10 projets, tels que prévus dans les documents. Je reste convaincu qu'avec les efforts conjugués de tous, MAN, FAO, gouvernement, population bénéficiaire et autres partenaires au développement, les appuis profiteront comme prévu aux populations cibles et contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un certain nombre de familles vulnérables.